الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوما سرمدا. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإخواني من الفائزين المتقين الذين يسلكون صراطك المستقيم. أما بعد، شيخ خير السير، أيها المسلم، كيكونك كوني الله عز وجل كوني ديو بلاس سا كونفيانس ان لوي، كار الله عز وجل à lui appartient les trésors des cieux et de la terre. Dieu pourvoit toutes ses créatures et Dieu fait descendre sur ses créatures la guérison lorsqu'il l'implore. Placer sa confiance en Dieu, c'est se garantir le succès. Dieu dit, et quiconque place sa confiance en Dieu, il lui suffit. Dieu lui suffit. Le croyant et la croyante dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu me suffit et quel bon garant. Al-Wakil en arabe signifie le garant, comme il peut signifier le procureur, le mandataire, le délégataire. Et également parmi les traductions, parmi les définitions, celui à qui le pouvoir de gérer les affaires d'une autre personne a été confié. Celui qui a le pouvoir de gérer les affaires d'une autre personne. Ainsi, quand le musulman ou la musulmane se trouve dans une situation gênante ou difficile sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, ou même sur le plan sentimental, qu'il se souvienne du verset coranique qui dit « Et Dieu suffit comme protecteur ou comme garant ». Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », donc Dieu me suffit et quel bon garant. Abraham l'a dit, que la paix soit sur lui, quand il fut jeté dans le feu. On a puni Ibrahim en le jetant dans le feu. Et il a dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Et Ibn Abbas continue, il dit, et Muhammad a dit aussi Hasbunallah wa ni'mal wakil, lorsqu'on lui dit, il a cité le verset dans la sourate numéro 3 verset 173, lorsque Dieu dit, les gens se sont rassemblés contre vous, excusez-moi l'expression, les islamophobes se sont rassemblés contre vous, donc les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela augmenta leur foi et ils dirent Hasbunallah wa ni'mal wakil, Dieu nous suffit, il est notre meilleur garant. Le prophète a dit, la dernière parole d'Abraham lorsqu'il fut jeté dans le feu, c'était de dire, Dieu me suffit et quel bon garant. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dieu ensuite, dans la sourate l'Anbiya, il parle de la situation d'Abraham justement lorsqu'il fut jeté dans le feu. Dieu dit, dans sourate les prophètes, Nudim, donc Dieu ici s'adresse au feu, Ya Nar, ô feu, soit une fraîcheur salutaire pour Abraham, soit une fraîcheur salutaire pour Abraham. Et ce qui est arrivé à Abraham est arrivé à un homme qui s'appelle Abu Muslim al-Khawlani. À l'époque, à la mort du prophète, enfin même un petit peu avant la mort du prophète, il y avait un homme au Yémen qui s'appelle Al-Aswad al-Ansi, qui s'est prétendu être prophète. Et il y avait des gens qui étaient croyants au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui rejetaient cette mauvaise prophétie, cette fausse prophétie. Et un jour, donc, Al-Aswad al-Ansi a convoqué Abu Muslim al-Khawlani. Il lui a dit, tu attestes qu'il n'est de Dieu que Dieu? Il a dit, oui, j'atteste. Et que Mohammed est le messager de Dieu? Oui, j'atteste. Et que je suis le messager de Dieu? Il a dit, j'entends rien. Abu Muslim al-Khawlani, concernant l'Aswad al-Ansi, il l'a menacé de le jeter dans le feu. Et c'est ce qu'il a mis, il a mis ça, cette promesse et cette menace à exécution. Ils l'ont jeté dans le feu, et le feu ne lui a pas fait de mal. Et les gens qui étaient à côté de cet imposteur, l'Aswad al-Ansi, ils lui ont dit, si tu le laisses en vie, il va
égaré ceux qui sont à tes côtés, c'est-à-dire ceux qui ont cru en sa mauvaise, en sa fausse prophétie. Et il lui a dit de quitter le Yémen. Il est parti à Médine, pensant retrouver le prophète, mais le prophète venait de mourir. Donc ici, quand on est musulman et on rencontre les compagnons du prophète, on n'est plus un compagnon, on devient un tabi'i. Et radiyallahu anhu wa rahimah, il était un compagnon, il était un tabi'i, donc un successeur, qui a cru au prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, Omar al-Khattab, il l'a regardé. Omar al-Khattab, c'est un homme de clairvoyance. Quand il voyait quelqu'un pour la première fois, dès qu'il le voyait, il fait, toi tu es un menteur, arrête de mentir. Pourtant il l'a vu que là, c'est la première fois qu'il le rencontre. Ce qu'on appelle en arabe le firasa. Et lui a dit, d'où viens-tu? Il a dit, je viens du Yémen. Il lui a dit, qu'est-ce que a fait, qu'en est-il advenu de l'homme qui a été jeté dans le feu par ce menteur? Il lui a dit, il s'appelle Abdullah ibn Thawb. Ensuite, Omar lui a dit, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que c'est toi? Il lui a dit, Allahumma na'am, oui, c'est moi. Et Omar al-Khattab l'a pris dans ses bras et il s'est mis à pleurer. Il lui a dit ensuite, par la suite, je remercie Allah de m'avoir donné la vie jusqu'à ce que je rencontre un homme qui a subi la même chose que le prophète Ibrahim. À savoir qu'il a été jeté dans le feu et que le feu n'a pas touché. Tout ça, pour mes frères et sœurs, pour parler de la confiance placée en Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes, mes frères et sœurs, ont placé leur confiance en Dieu. À titre d'exemple, lorsque Moussa alayhi salam, donc Moïse, a quitté l'Égypte avec les enfants d'Israël, ils se sont retrouvés devant la mer. La Bible parle de la mer des roseaux. Allah alam, est-ce que c'est la mer rouge ou la mer des roseaux? Dieu seul le sait. Mais ala kulli hal, le Coran nous parle de quand Dieu a séparé la mer, donc fakana kullu firqin kat-tawd al-'azim, c'est-à-dire le côté là et le côté là que Dieu a ouvert faisait la taille d'une montagne. C'est possible que ce soit la mer rouge, mais Dieu seul bien entendu sait, et c'est un détail sur lequel il ne faut pas s'attarder. En tout état de cause, ils arrivent devant la mer. Et derrière eux, ils aperçoivent Pharaon et son armée à leur trousse, en criant pour les tuer. Et Dieu nous parle de ça dans sourate l'Anbiya, sourate les prophètes, où les enfants d'Israël, donc les juifs qui étaient avec Moïse, ont dit à Moussa, ils vont nous rattraper. Moussa leur a répondu, Kalla, jamais. Vous imaginez? Devant lui, il y a la mer. Derrière lui, il y a l'armée. Ils sont armés jusque dedans. Et les Banu Israël n'ont rien comme arme. Et Moussa, alayhi salam, confiant en Dieu, il dit, Kalla, que non. Jamais j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. C'est ça la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est contraint de quitter la Mecque parce qu'il a été menacé, et comme tous les prophètes ont été menacés sur leur vie. Et donc il a été contraint de quitter la Mecque jusqu'à au sud de la Mecque, il y a une grotte qui s'appelle la grotte de Thawr, à ne pas confondre avec la grotte de Hira. La grotte de Thawr dans laquelle Abu Bakr et le prophète se sont cachés. Et Abu Bakr, il raconte l'histoire, il dit, et j'ai vu les pieds des mouchriquines, des païens, des polythéistes, à notre hauteur. Ils étaient à hauteur de nos têtes. Et j'ai dit au prophète, Ya Rasulallah, je suis obligé de parler comme ça. C'est pour qu'on comprenne les histoires. Et les savants disent que quand on raconte une histoire, on doit la raconter comme elle a été rapportée. Il a dit à Abu Bakr radiallahu anhu, Ya Rasulallah, si l'un d'entre eux venait à regarder en dessous de ses pieds, il nous verrait. Et le prophète le dit à Abu Bakr, que penses-tu si je te disais que nous sommes deux, Allah c'est le troisième? Nous ne sommes pas deux dans la grotte là, nous sommes trois. Ensuite, le prophète lui a cité un verset coranique, ou lui a cité une parole qui a été citée par la suite dans un verset coranique, sourate numéro 9, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, Dieu est avec nous. Donc ça, vous pouvez le lire également dans sourate numéro 9. Ainsi doivent être les croyants face aux persécutions et aux troubles que nous avons cités la semaine dernière, qui est en ligne bien entendu si vous voulez la visionner. Et donc les croyants, ils disent la chose suivante. Je cite le verset coranique dans Sourate Younes, Sourate 11, verset 85. Allah Azza wa Jalla dit en citant, ils disent, en Dieu nous plaçons notre confiance. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. En Dieu nous plaçons notre confiance. Ô Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes. Amen. Nous devons aussi faire preuve de patience, mes frères et sœurs. Comme Dieu nous le dit en citant les prophètes, il dit, courions-nous à ne pas placer notre confiance en Dieu alors qu'il nous a guidés sur les chemins à suivre. Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez. Et c'est en Dieu que les confiants placent leur confiance. Pour terminer, les croyants et les croyantes manifestent leur confiance en Dieu dans plusieurs périodes de leur journée. La première, ou parfois occasionnellement. Donc la première, c'est celle qui est occasionnelle, c'est ce qu'on appelle l'istikhara, la prière de consultation. Donc quand le musulman ou la musulmane hésite entre deux choses, eh bien, le meilleur, celui qui connaît toutes choses, c'est Dieu.
Donc on lui demande et Dieu nous donne la meilleure solution. Et je connais quelqu'un qui a prié une prière de l'istikhara parce qu'il hésitait entre deux postes, deux métiers. Il a fait une prière de consultation, mais son cœur penchait pour... Parce qu'en général, quand on fait une prière de consultation, notre cœur penche pour un avis. Et il a fait cette prière de consultation et son cœur penchait pour le poste, pour un poste précis. Et ensuite, il a placé sa confiance en Dieu. Plus tard, il a reçu une lettre de réponse qui commence par « malgré des qualités », etc. Donc, vous savez ce que c'est la suite. Donc, sa candidature n'a pas été, retenue. Et il a dit « j'ai eu de la peine ». Plus tard, j'ai été pris dans un autre poste. Et alhamdoulilah, j'ai eu un bon salaire. J'ai un bon salaire, il dit. Et j'ai eu des échos de d'autres personnes qui étaient dans le même groupe que moi, qui ont été pris et qui se plaignaient de leur salaire faible. Regardez, subhanallah azim. Il a failli, il voulait être quelque part et il a placé sa confiance en Dieu et Dieu l'a orienté vers quelque chose d'autre. Il a eu un meilleur salaire et des meilleures conditions que d'autres qui ont dû garder leur métier pendant 4, 5, 6 mois pour quitter cet emploi-là. Parce que le salaire était faible et les conditions de travail n'étaient pas forcément celles qu'ils attendaient. Donc le fait de placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous procure énormément de bien. Vous tous, nous tous, lorsqu'on met la cassette en arrière de notre vie, on voit par où on est passé. Les galères par lesquelles nous sommes passés, les voitures que nous avions eues, les problèmes que nous avions financiers, etc. Et maintenant, alhamdoulilah, notre situation est stable. Et au moment où je vous parle, certaines personnes sont dans cette galère. Ils ont des vieilles voitures, ils ont un vieil emploi, ils ont des conditions difficiles. Ne vous inquiétez pas. La tahzan inna Allaha ma'ana. Vous êtes en train de passer par là où nous sommes passés. Et certaines personnes passent par des turbulences, ensuite leur situation s'améliore, puis ils repassent par d'autres turbulences. Nasallahu an yuthabbitana. Et quand nous passerons par d'autres turbulences, qu'Allah nous donne la fermeté et qu'Allah nous donne la patience. Parce que le fait d'être stable ne restera pas forcément sur une personne. La personne elle peut être stable, mais il peut galérer. On a dit à l'imam Shafi'i, « Ayyuhuma afdalu il rajul, ayyumakkan, aw yubtala, qal, la yumakkan, hatta yubtala. » On a dit à l'imam Shafi'i, laquelle des choses est mieux pour l'individu ? Qu'il soit dans une situation stable ou qu'il soit dans les épreuves ? Il a répondu, il ne connaîtra de situation stable que lorsqu'il passera par les épreuves. Les épreuves sont tout à fait normales, mes frères et sœurs. Et c'est avec les hauts et les bas qu'on avance vite. Donc il y a ce qu'on appelle cette prière l'istikhara. Dans un hadith Qudsi, Allah dit, c'est un hadith Qudsi qu'on peut trouver dans les 40 hadiths Nawawi. Allah dit, oh mes serviteurs, il s'adresse à toutes les créatures, humaines, musulmanes ou pas. Oh mes serviteurs, si vos premiers et vos derniers, c'est-à-dire depuis Adam et Ève jusqu'au dernier individu qui va exister, si votre premier et votre dernier, vos humains et vos djinns, vos démons, vous vous réunissez tous sur un même endroit, vous me demandez tout ce que vous voulez et que je vous donne tout ce que vous voulez, cela ne m'appauvrirait pas. Cela ne m'appauvrirait pas et la quantité que je vous donnerai, c'est comme la quantité qu'une aiguille va sortir lorsqu'on vous la plonge dans la mer. Qu'est-ce qu'elle va sortir l'aiguille ? Vous plongez l'aiguille dans la mer, vous la ressortez, elle va sortir quoi ? Eh bien, on va sortir de cette aiguille, c'est le don que Dieu va donner à tout le monde. Alors imaginez ce qui reste de cet océan de grâce d'Allah Azza wa Jal. فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ قَالَ تَعَالَى وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Il y a d'autres textes, mais pour aller vite, inshallah, parce que le temps presse. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut faire concernant tawakkul à Allah, la confiance en Dieu. Il faut aussi passer par les causes. C'est pas quelqu'un, il ne rédige pas de lettres de motivation ni de CV, il ne court pas à droite et à gauche et puis il fait que des duas. C'est bien les duas, mais ce n'est pas suffisant. Tu fais des duas, tu envoies des lettres de motivation, tu fais une dua. Tu envoies d'autres lettres de motivation, tu fais des duas. Une personne une fois, elle a dit, j'ai envoyé à peu près 100 CV. Et c'est tout. Moi, j'en ai envoyé 500, il a dit. Il a répondu. Et c'est pas suffisant. À la kulli hal, le musulman ne doit jamais s'arrêter. Il doit toujours placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et ne pas s'arrêter à ce qu'on appelle la dua. Tu fais des prières, certes, des supplications, ok, mais tu dois aussi courir, chercher, frapper aux portes, envoyer les CV, etc. Si on parle juste de l'emploi, c'est pareil pour le mariage, c'est pareil pour pas mal d'autres choses. Mais à la kulli hal, si on parle de l'emploi, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ambroise Paré, qui est un médecin français du 16e siècle, disait, je le pensais, comme le pansement, je le pensais, yani je le soignais, Dieu le guérit. Et Ambroise Paré n'est autre que
un successeur parmi d'autres successeurs de Abul Qasim al-Zahrawi, surnommé Abul Qassis, qui était un grand médecin qui a précédé, c'est un médecin du 10e siècle, il a précédé donc Ambroise Paré de 6 siècles. Et Abul Qasim al-Zahrawi, il a une encyclopédie médicale présentant les instruments de médecine, et à chaque fois qu'il présentait un instrument, il écrivait au-dessus Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc cette parole d'Ambroise Paré, c'était un petit peu inspiré de ce que disait ici Abul Qasim al-Zahrawi. Dieu dit dans le Coran, parlant d'Ibrahim alayhi salam, wa idha maridtu fahuwa yashfin, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et troisième point, les croyants, le croyant et la croyante a aussi des périodes dans sa vie quotidienne où il est conseillé de prononcer la confiance en Allah, comme lorsqu'on sort de chez nous, bismillah tawakkaltu ala Allah. Et quand on dort aussi, on a des duas où on formule la confiance que l'on place en Allah azza wa jalla. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui dit en sortant de chez lui, au nom de Dieu, je place ma confiance en Dieu, nulle capacité ni force en dehors de Dieu, la hawla wa la quwwata illa billah, il lui sera dit, un ange va lui dire, tu es guidé, tu es épargné du mal, tu es protégé et tu es éloigné du diable. Et dans une autre version, les shaytan lui disent: kayfa bika aw kayfa bi rajulin qad hudi wa kufi wa waqi, zama safi ma andik ma dirbi. الشيطان تأتي لتقول الشيطان il dit dans cette autre version: comment voulez-vous faire du mal à une personne qui est protégée, qui est éloignée du mal et qui est sous protection? Ou plutôt, comment faire du mal à une personne qui est guidée, qui est épargnée du mal et qui est protégée? Donc shaitan et les shayatin, les jinnun, ne peuvent pas lui faire du mal. Donc lorsqu'on sort de chez nous, le minimum c'est qu'on dise bismillah tawakkaltu ala Allah, parce qu'on sera protégé de tous les maux des démons, comme les maux des shayatin al-ins, et comme les accidents qui peuvent arriver dans la vie. Qala subhanahu wa ta'ala wa bihi akhtim. Innal mu'minun, innamal mu'minun, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Je termine avec un verset coranique. Dieu dit dans la sourate numéro 8, sourate l'Anfal: les vrais croyants, croyantes aussi, sont ceux qui, lorsque le nom de Dieu est cité, leur cœur frémissent. Et quand les versets sont récités, ces versets coraniques sont récités, cela augmente leur foi et ils placent leur confiance en Dieu. Ils accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont les vrais croyants. À eux, des degrés élevés auprès de Dieu leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse, un rizq kabir ou karim, et une dotation, c'est-à-dire une donation généreuse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، وعصمه من كل ضير، ومن أراد غير ذلك اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احقن دماءنا واحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خير فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من الذين يتوكلون عليك، اللهم اجعلنا من الذين يتوكلون عليك حق التوكل يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين يتوكلون عليك حق التوكل يا رب العالمين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا واجعلنا فيه من الآمنين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر وارحم والدينا كما ربونا صغارا. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا هب لنا يا رب العالمين ذرية تعبدك ولا تشرك بك شيئا إنك سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.